Et Amina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Dragan et on se retrouve pour une toute nouvelle, la toute première vidéo Solus, on va dire, pour vous aider donc dans Palworld. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres. Bon, j'en ferai de temps en temps, si après vraiment vous en voulez, bon bah j'essaierai d'en faire le plus possible. Alors, en premier lieu, je vais vous en montrer un endroit où vous pouvez avoir des bons plats. Donc vous voyez, on commence par le plateau. Et vous allez devoir aller jusqu'à l'Élise désaffectée. Une fois que vous êtes ici, vous allez suivre le même chemin que moi. On va y aller. Et je vais vous montrer comment rencontrer un PNJ qui peut vous permettre à la fois... Merde, comment je dis... Mais non, mais descends bien. Ah, mais... Descends complètement. Voilà. Je vais vous en montrer un PNJ très intéressant. Alors pour l'instant, c'est le premier que j'ai rencontré. Mais je vais essayer d'en rencontrer d'autres et de vous les montrer en vidéo. Mais déjà, ça, c'était pour moi important. Parce que quand vous commencez le jeu, vous savez que vous allez devoir capturer tout le temps, plein de pales pour pouvoir monter d'XP le plus rapidement possible. Et après, vous allez me dire donc... Et une des questions que je me posais, c'est peut-on se débarrasser des pales que nous avons capturées au moins en 10-15 fois? La réponse, quand j'ai commencé, je croyais que c'était pas le cas. Et je trouvais ça très bizarre, mais au final, si. En fait, les pales, l'endroit où on va aller, là, regardez, qui j'ai obtenu, j'ai eu lui. Lui, je ne l'ai même pas capturé, je l'ai juste acheté. Acheté avec une monnaie que l'on peut obtenir en vendant aussi des pales. On peut en avoir là, on peut avoir la monnaie autrement, mais on peut en avoir donc en vendant des pales. Des pales que vous avez en 10 exemplaires qui vous servent à rien du tout. Là, vous voyez, le contrebandier, il est juste ici. Vous l'agressez pas parce qu'il est considéré comme étant haut niveau. Vous lui parlez. Vous allez voir, on va lui parler. Et on peut faire soit vendre, soit acheter. Si vous faites vendre, voilà, vous avez votre PC et vous pouvez vendre des pales. Donc, ils ont chacun une valeur différente et je pense que c'est selon leurs compétences, niveau et tout. Le plus cher pour moi, ça a été quand même lui, le Ektridir, un nom très bizarre. Bon, Loop Mon vaut aussi cher, mais voilà, c'est là que j'ai acheté. Et une fois que vous avez assez d'argent, vous allez passer de vendre à acheter. Et vous voyez, vous pouvez acheter des pales. Alors, je vais vous montrer une capture vidéo parce que je n'ai pas eu la même boutique le jour d'avant. Donc, ça se trouve, c'est une boutique qui change, qui peut changer tous les jours. Vous verrez, je vous mettrai la vidéo comme quoi j'ai eu une boutique bien plus différente de celle-ci. Et donc, sachez qu'avec cette méthode, c'est très rapide à y aller. Le chemin n'est pas difficile, il n'y a pas de gros défis pour y aller. Et bien sachez que si vous commencez l'aventure et que vous capturez max de pales et que vous allez ici, vous pouvez en récupérer des plus rares et des plus intéressants pour commencer votre aventure. Et je peux franchement que vous le conseiller. Les amis, on va se laisser là pour cette petite vidéo. Je vous en referai d'autres. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Allez, ciao, ciao, Mina.